Ça veut dire quoi, avoir le cul en trompette? Non mais Jep, tu fais chier, je suis en train de bosser, enfin... Tu peux pas débarquer comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Kurt Racher, c'est lui qui tapasse les étudiants étrangers. Je les ai entendus hier dans la voiture, ils vont se réunir demain au square des Bosquets avec s'abandonner aux nazis. Et alors? Alors c'est le moment parfait pour agir. Mais tu déconnes ou quoi, t'en as pas eu assez? Écoute, je suis toujours en vie, faut que j'essaie de l'empêcher de continuer. Nous, on a grandi dans notre petit confort, on est bien, mais on n'a pas tous eu la même chance. Enfin, je sais pas, t'es bizarre, elle t'a appris quoi, maman? Arrête avec ça! Maman, elle est pas dans une ONG au Népal. Maman, c'était une junkie qui s'est barrée avec un mec quand t'avais 8 ans. Et c'est moi qui ai dû mettre ma vie entre parenthèses pour m'occuper de toi depuis tout ce temps. J'ai un travail, j'élève ma fille tout seul, et pendant mon temps libre, je te paye tes factures et je t'empêche de te faire tuer par les cinglés que tu ramènes chez toi. Je te ramasse en pleine nuit au bord de la route. De quoi ? Personne sait où elle est, elle en a rien à foutre de nous, elle est peut-être morte dans un caniveau. Tu m'avais dit qu'elle était au Népal. Je t'ai menti. Je savais pas quoi faire. Elle a pas pu nous laisser comme ça. Elle devait avoir une bonne raison. Une bonne raison d'abandonner son fils de 8 ans. Mais Jeb, tu vis dans quel monde? Occupe-toi de toi avant de chercher à aider les autres. Fais un putain de truc utile au moins une fois dans ta vie! Thank you.